De par sa fonction de préfet de police de Paris et des pouvoirs considérables dont il dispose, Louis Lépine joue, sous la Troisième République, un rôle politique primordial au sein de l'État français. Il se met pleinement au service de l'action du pouvoir exécutif et de la lutte contre toutes les menaces susceptibles de la compromettre. Menées nationalistes, mobilisation du mouvement ouvrier ou encore violences anarchistes. Le préfet Lépine fait régner l'ordre, grâce à ses agents, en assurant loyalement la protection des différents gouvernements qui jouissent d'une légitimité démocratique. Beaucoup de cartes postales illustrées évoquent ce rôle politique qui est présenté comme absolument essentiel à la stabilité du régime républicain. On donne à voir Louis Lépine comme un acteur clé dans l'organisation de la compétition permettant au président de la République d'accéder au pouvoir, puis une fois élu, dans l'accompagnement des chefs d'État durant leur mandat. Avec le président Émile Loubet lors d'un départ pour Montélimar, ou bien dans cette autre carte postale satirique, alors qu'il effectue des pas de danse en tutu, derrière lui, pour le protéger avec une lance à incendie lors d'une représentation de gala à l'opéra. Conduisant le char présidentiel du président Armand Falière à l'occasion de la panthéonisation d'Émile Zola en 1908, ou bien discutant avec lui pendant les obsèques du ministre de la Guerre Jean-Jules Brun en 1911, ou encore deux ans plus tard aux côtés du président Raymond Poincaré lors de l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Louis Lépine est dépeint iconographiquement non seulement comme étant très proche des monarques républicains, mais aussi finalement comme faisant partie intégrante du gouvernement, car on le fait figurer au-dessus de ministres sur lesquels son influence semble non négligeable, comme sur cette carte postale où ces derniers sont tous en train de jouer au diabolo, un peu jugé dangereux par le préfet Lépine dont il a interdit l'usage dans les rues parisiennes en 1907. L'importance du poids politique de Lépine s'exprime visuellement d'une autre manière. Non seulement il occupe une place centrale dans l'orchestration en plein centre de Paris des funérailles des plus hautes personnalités, mais il est également à la manœuvre et à l'avant-poste pour assurer la sécurité des têtes couronnées en visite officielle dans la capitale, aux côtés desquelles il n'hésite pas à s'afficher sous les ors de la République. Roi d'Espagne, roi de Suède et de Norvège, ou encore monarque britannique. Il est alors aisé de comprendre combien de telles images du préfet Lépine donnent des arguments à tous ceux qui ne voient en lui qu'un chien de garde de la bourgeoisie, toujours prompt, comme l'illustrent plusieurs cartes postales dénonciatrices, à protéger ses intérêts en ourdissant toutes sortes d'intrigues, de conspirations ou de complots. Au début du XXe siècle, on peut par exemple lire dans l'hebdomadaire libertaire Les Hommes du Jour, Lépine appartient à une race méprisable et haïssable. Il est un bourgeois ratatiné dont la vie s'est écoulée dans l'administration et que son zèle a conduit au premier rang parmi les puissants de l'époque. Lépine, c'est l'ordre capitaliste, c'est le pouvoir bourgeois incarné et c'est la force du pouvoir ici à Paris. Et à la même période, à la une du journal L'Anarchie, on fait écrire ceci à un ouvrier qui fait l'objet d'une enquête policière, car soupçonné d'être lié à des étrangers peu fréquentables, « Je ne vous reprocherai pas, Sieur Lépine, de fréquenter des étrangers, mais bien plutôt des parasites, que, comme vous tenez aux distinctions par nationalité, je cataloguerai parasites étrangers. Dans votre salon ou à votre table, défile une bande de rastaquaires, de fainéants, rois, princes, ministres, ambassadeurs, consuls, leurs suites et leurs attachés, généraux et colonels et leurs ordonnances, enfin toute la séquelle des champignons vénéneux de la société. » Ceux que vous rencontrez savent consommer, consomment beaucoup, mais ne savent pas produire, pas du tout produire. Vous, Lépine, vous fréquentez, vous favorisez l'entrée à des étrangers dont l'essence spéciale est de n'être qu'un ventre muni de suçoirs. Le préfet Lépine est d'autant plus accusé de se mettre entièrement au service des puissants que d'aucuns le soupçonnent de faire opportunément appel à leur soutien et indulgence pour ne pas être inquiété dans des scandales où sa cupidité est pointée et sa probité mise à mal. Jeton de présence perçu en tant que membre du conseil d'administration de la Compagnie du Canal de Suez, scandale financier et politico-judiciaire de l'affaire Rochette,
Ou encore, comme le montre cette série de cartes postales illustrées, Escroquerie Humbert Crawford, dans laquelle on lui reproche ses fréquentations avec la célèbre Thérèse Humbert. Pour abuser nombre de personnalités du monde politique et de la finance, cette affabulatrice s'est faite passer pour une des plus riches héritières de France, disposant dans un coffre-fort de bons hauts porteurs dont l'existence s'avérera fictive. Thérèse Humbert, dont la fille Ève a aussi offert un bracelet d'une grande valeur à l'une des propres filles de Louis Lépine, Madeleine, lorsque celle-ci s'est mariée. Plusieurs cartes postales satiriques, y compris après avoir quitté ses fonctions de préfet de police de Paris en 1913. Ne manqueront pas visuellement de souligner à quel point les efforts de Lépine, présentés comme pathétiques, pour briguer des mandats nationaux et faire carrière en politique, tout comme son élection à l'Académie des sciences morales et politiques, constituent autant de preuves attestant sa propension à vouloir profiter jusqu'au bout, tout comme les nantis qu'il s'est constamment évertué à protéger, des prébendes de la République.